Allez, petit café. Ils vont venir prendre votre commande. Pas de mal! Non, non, c'est pas vrai. T'es pas venu en trottinette? Oui! Hey, je sais pas ce que j'ai, là, mais depuis que je finis les fonds de café... À toi, plein d'essence, je lui donnais un arbre. Adèle, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu m'as décostumé! Oh, j'allais porter des ordures à la rue en me disant, cette fois, ils me reconnaîtront pas. Aïe, 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 aïe! Je hache les factures. Bien. Le gars de la trop dit que son hamburger goûte le papier. Oups. Allô, allô. Tu veux voir? Oui, en fait, je voulais plus vous parler, genre. Ben, on aurait pu faire ça au téléphone. OK, mais au téléphone, je vous aurais pas vu. Fait... J'aurais pu t'envoyer ma photo. OK, mais c'est parce qu'une photo, ça peut pas parler. Puis là, je veux pas être méchant, là, mais je vous regarde, là, puis vous avez pas... Non. Vous avez comme pas l'air vraiment photogénique. Tu me cherches-tu, de là? Non, vous êtes comme là, là. Juste, on va commencer, s'il vous plaît, asseyez-vous. Hey, je suis déjà assis, Simonac. OK, le patient a de la difficulté à savoir s'il est assis ou debout. Es-tu toujours cave de même, toi? C'est une excellente question. Je vais en parler au comité, je vous reviendrai là-dessus. Mais pour l'instant, j'aimerais savoir votre nom, s'il vous plaît. Bob. Oh, un connaisseur. Parce que moi, on étant donné qu'on n'a pas comme le même nom, ça va être comme moins mélangeant, genre. Étant donné que moi, c'est Philippe. Enchanté. Je sais pas si vous savez, là, mais c'est comme depuis un petit bout, c'est comme interdit de fumer la cigarette dans les restaurants. C'est pas une cigarette, c'est un cigare, ça. Ouais, OK, vous avez bien raison. C'est spécial parce que moi, j'ai un de mes amis, lui, il fume le saumon. Passons maintenant aux questions. Pour savoir la qualité du français parlé dans votre établissement, répondez à la question suivante. Appelez-moi le mot recyclage et sinon, pourquoi? Je suis totalement d'accord. OK, excellent. Si vous rencontrez les normes du gouvernement. Maintenant, côté pollution, pollution dans votre usine. À l'usine, chez vous, est-ce que c'est plutôt lué ou pollué? Oui. OK, mais là, est-ce que je peux aussi vous croire sur parole, moi, là? Ben oui. OK. C'est juste parce que... OK. Je vous regarde, là, puis avec votre habit comme tout blanc, comme ça, chic, puis votre cigare, vous avez de l'air un petit peu... comment je dirais... Crosseur. Voilà. Mais, tu sais, comme... pas crosseur, comme... crosseur, non, plus crosseur dans le bon sens du terme. Tu sais, comme, disons, maintenant, vous marchez dans la rue, puis là, il y a quelqu'un qui dit... Allô, là, t'es vrai, comme... Allô, crosseur? Tu sais, comme... Parlant de crossage, là, ouais. Tu devrais peut-être aller faire un petit tour dans la cuisine, en arrière. Ah, oui. Tu vas voir que ça sent pas tout à fait la fleur, comme on dit. Ouais, je dirais plus ça sent Wayne Gretzky ou Mario Lemieux dans ses bonnes années, genre, plus... Hey, c'est vrai, Christophe.